Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Fadilou Diop. Je suis docteur en droit privé, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Jean Moulin Lyon 3, sur les quais à Lyon 7e. Et il m'a été confié la lourde tâche, quand même, d'introduire cette séance, ce premier panel organisé dans le cadre de cette exposition. Je voudrais tout d'abord vous dire mon plaisir à vous accueillir ici à Lyon, mon plaisir également à être présent devant vous afin de vous présenter ces magnifiques discussions qui nous attendent. J'en suis conscient, j'en suis certain. Comme il a été dit, et comme vous pouvez le constater, c'est l'Institut Madialis, dirigé par Serigne Abdelaziz Mbaké, qui est juste à mes côtés, en collaboration avec la Tombouctou Institute, centre africain d'études sur la paix dans le monde, l'Institut français de civilisation musulmane, IFCM, dont le président est ici présent, la Fédération nationale des Mourides de France, ainsi que le Daïra Moubawa Sédrine, des Mourides de Lyon, qui organise cette exposition internationale sur l'islam et la paix dans le monde. Il s'agit donc d'une série d'expositions dont la dernière en date, sauf erreur de ma part, a été tenue en Espagne l'année dernière à l'université de Barcelone. Cette exposition que la ville de Lyon a l'honneur d'accueillir cette année, et c'est une grande première en France, porte cette année sur le thème du message soufi de paix, de tolérance et de vivre ensemble de Cheikh Ahmadou Bamba. Plusieurs panels sont organisés en marge donc de cette manifestation internationale, dont le premier qui nous réunit ici pour 2 heures de temps porte sur le thème de l'importance du message soufi pour le dialogue des civilisations. Yaourine Sidi Dieng l'a évoqué tout à l'heure, dans un contexte hautement tourmenté du monde actuel, marqué par un choc apparent des civilisations islamiques et occidentales, et parfois, il faut le dire aussi, une rupture intrinsèque même à l'intérieur de la civilisation musulmane. Quel rôle, quel peut être l'apport, quelle est l'importance du message soufi dans la reconstruction de ces liens apparemment rompus, ou pour le moins, j'ai envie de dire, distendus, entre la civilisation musulmane et d'autres civilisations, telle est la grande question à laquelle ce panel devra répondre. Trois intervenants de grande renommée, trois figures de la diffusion du message de paix et de tolérance dans l'islam, que nous avons l'honneur d'accueillir
aujourd'hui, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Professeur, bonjour. Le professeur Souleymane Bachir Diagne qui interviendra sur le thème du pluralisme comme fondement du dialogue et des civilisations. Le deuxième intervenant sera Seigne Abdouaziz Mbake Madialis. Seigne Abdouaziz, bonjour. Qui interviendra sur les fondements doctrinaux de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba. Le professeur Galla Ndiaye, pour terminer, professeur, bonjour, qui interviendra sur le sens de l'humanisme et de l'universalisme du message de Cheikh Ahmadou Bamba dans le dialogue des civilisations. Qui dit vivre ensemble dit pluralisme nécessairement, et qui dit pluralisme dit échange, qui dit échange dit dialogue, qui dit dialogue dit compréhension, sens de l'écoute, tolérance. La tolérance permet le dialogue, tout simplement. Tolérance et dialogue sont donc la sève nourricière de la paix. Par conséquent, le dialogue des civilisations constitue aujourd'hui le maître mot de ce panel, l'apport, le rôle, l'importance du message soufi en général et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba en particulier sont les grandes questions qui vont nous animer à l'heure actuelle. Professeur Souleymane Bachir Diagne, dont le parcours est particulièrement inspirant, Souleymane Bachir Diagne est philosophe d'origine sénégalaise, professeur dans la prestigieuse université de Columbia aux États-Unis. Spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique, vous avez également effectué une bonne partie de votre cursus universitaire en France, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'actuelle Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où vous avez notamment soutenu un doctorat de troisième cycle en philosophie et un doctorat d'État sur la même discipline. Vous devez donc intervenir sur le thème du pluralisme comme fondement du dialogue des civilisations. Professeur, vous avez la parole. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashrafil mursaleen, Sayyidina wa Mawlana Muhammad, Nabi al-Ummi al-Karim, wa ala ali wa sahabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Consul Général, cher Ibrahima, Monsieur le Président, cher Kamel Gueptane, Seigne Abdouaziz Mbake Madialis, mes chers collègues, chers amis, tous ceux qui m'ont accueilli ici, je voudrais vous dire ma gratitude et rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être associé à un événement de cette importance dans un panel de cette qualité. Je suis heureux de me retrouver ici et cela a été rappelé par Serigne Abdouaziz Mbake tout à l'heure. J'ai eu le bonheur en 2015 d'être parmi ceux qui ont accueilli cette exposition consacrée à Serigne Touba et le Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc, de me retrouver, quoi, 8 ans plus tard, dans la même compagnie de Serigne Abdouaziz Mbake pour célébrer la paix, qui est le nom même que porte notre religion islamique, ceci est une bénédiction dont je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu. Et de contribuer à une réflexion sur l'islam et la paix dans un lieu comme celui-ci que j'ai le bonheur de découvrir pour la première fois. Cette mosquée magnifique de la ville de Lyon, d'une part, et cet institut français des civilisations musulmanes qui constituent l'un et l'autre, la mosquée et l'institut, un véritable symbole de cet islam de paix dont il nous appartient de parler, mes collègues et moi, ici. Je voudrais expliquer la raison pour laquelle, lorsque il m'a été proposé d'intervenir sur ce panel et de parler du dialogue des civilisations, j'ai donné le titre que j'ai proposé, le pluralisme comme fondement du dialogue des civilisations. La raison en est la suivante. Si on veut analyser la notion même de dialogue des civilisations et comprendre ce que peut signifier un dialogue des civilisations,
il faut s'interroger sur le contenu même du concept de dialogue et se demander à quelles conditions un dialogue est possible. Un dialogue des civilisations, les civilisations sont des abstractions. Les civilisations ne dialoguent pas. Ce sont les représentants des civilisations et en général les élites qui appartiennent à ces civilisations qui dialoguent. Une fois que l'on a dit cela, il faut s'interroger sur ce que signifie la capacité au dialogue, parce qu'on peut se mettre ensemble, prétendre que l'on dialogue, alors que le dialogue n'a pas véritablement lieu. Et la raison pour laquelle la simple présence autour d'une table ne constitue pas un dialogue, c'est que les conditions même du dialogue ne sont pas nécessairement réunies. La première grande condition pour qu'un dialogue soit possible, ce serait de pouvoir surmonter l'épreuve de la différence. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par le fait de surmonter l'épreuve de la différence? Dialoguer ne va pas de soi. Parce que me trouver en face de quelqu'un qui ne partage pas mon point de vue, c'est mettre à l'épreuve ce point de vue précisément. La différence est toujours une épreuve pour l'identité. Dès lors que mon identité est interrogée par quelqu'un avec qui j'entre en dialogue, j'ai mis cette identité à l'épreuve et ceci ne va pas de soi, ceci n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la capacité au dialogue suppose la capacité de décentrement. Cela suppose que je puisse sortir de mes propres certitudes pour essayer de voir les choses à partir du point de vue de l'autre. Voilà, me semble-t-il, poser la question du décentrement, la question de la capacité au dialogue, qui est une chose, encore une fois, une entreprise extrêmement difficile. Alors, pourquoi est-ce que le pluralisme est important dans le cadre que je viens de dessiner rapidement? Parce que précisément, le pluralisme, ce n'est ni la répétition à l'identique de ce que je crois être universel, ni non plus le relativisme absolu où je dis, au fond, personne ne sait ce qu'il en est de la vérité, chacun a sa perspective. Entre les deux, entre cet universalisme abstrait et un pur relativisme, il y a place pour ce que l'on appelle le pluralisme. Le pluralisme consiste à dire non pas qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y en a en effet qu'une seule et même vérité, mais qu'elle se réfracte de manière différente selon des perspectives, la manière dont la même vérité est réfractée chez l'autre, et être attentif à cela. Être attentif à la vérité de ce que porte quelqu'un, alors même que ce quelqu'un pense totalement différemment de moi. Cela, le pluralisme, c'est et la raison pour laquelle le titre général de notre panel interroge la relation du soufisme au dialogue des civilisations, c'est que ce que l'on appelle le soufisme, cette attitude devant la vie, qu'est le soufisme? Parce que le soufisme, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un contenu de doctrine, c'est d'abord une manière d'agir, et cette manière d'agir nous est dictée par la perspective que nous avons sur le monde. Eh bien, je voudrais soutenir, en accord avec mes compagnons sur ce panel, que le soufisme nous prépare précisément à cette capacité pour le décentrement, à cette capacité de reconnaître la vérité dans une perspective qui est différente de la perspective que j'aborde. Pourquoi est-ce le cas? Il faudrait ici probablement essayer de s'engager dans une définition du soufisme, ce qui est absolument impossible. Le soufisme, c'est comme le jazz, vous ne savez pas comment le définir. Un grand maître a déclaré que le soufisme, le commencement du soufisme, c'est écarter la pierre du chemin parce qu'on ne veut pas qu'elle blesse celui qui viendra après. Et ensuite, il dit, et sa fin, il s'arrête et il dit, et il n'y a pas de fin. C'est une manière aussi, quand vous demandez à un jazzman ce qu'est le jazz, il vous dit, le jazz, c'est one, two. One, two, three, et il commence à jouer au jazz. C'est la même chose quand il s'agit d'essayer de définir le soufisme. Disons, pour avoir une définition qui soit simplement provisoire et qui ne soit pas fausse, même si elle n'est pas vraie, que le soufi est quelqu'un qui est attentif
à un certain nombre de vérités liées au pluralisme et que l'on trouve dans le Coran. Et en particulier, le soufi sera celui qui est précisément attentif à ce pluralisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à cette manière dont une seule et même vérité peut se réfracter de multiples manières. Et c'est la raison pour laquelle le soufi sera, par exemple, particulièrement attentif à un verset du Coran qui est central dans le Coran, à partir duquel on peut trouver un éclairage très général de la signification de la religion islamique lorsqu'il s'agit de se demander ce qu'il en est du pluralisme. C'est, vous le connaissez tous certainement, ce verset 48 de la sourate 5, Surat Maïda, où il est dit, entre autres, la chose suivante. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Première lecture que l'on peut faire de ce bout du verset, il ne l'a pas voulu. Cela veut dire, s'il ne l'a pas voulu, que la différence dont je parlais tout à l'heure, la multiplicité des perspectives, est une chose qui est fondée en raison et qui est fondée dans la réalité même des choses. Il est dans l'ordre des choses que notre monde soit un monde de différence. S'il avait voulu, nous aurions été une seule et même communauté. Il a voulu que nous soyons des communautés multiples. Ceci se continue en disant « Walakin liyabluwakum fi ma atakum » Mais il a voulu vous éprouver dans les dons, dans ce qu'il vous a donné, dans les dons qu'il vous a fait. Cela veut dire donc que ce que je disais tout à l'heure de la différence, le fait que la différence est une épreuve, celui qui est différent de moi me présente une épreuve. Celui qui pense différemment de moi me présente une épreuve. Comment faut-il que je me comporte dans une épreuve comme celle-là? Il faut, et c'est le mot d'épreuve qui est ici utilisé, il vous a éprouvé dans ce qu'il vous a donné. Et la réponse à cette épreuve, à la manière dont il faut que je me comporte dans cette épreuve, vient après. Fastabiqul khayrat. Ça veut dire, donc, soyez en compétition bil khayrat avec les bonnes actions. Autrement dit, la réponse que je dois apporter à l'épreuve que représente la différence de l'autre vis-à-vis de moi, la réponse est dans la compétition pour les bonnes actions. Je n'ai donc pas à m'engager dans l'épreuve de la différence ni par la violence, ni par une sorte de répétition à l'infini de ma propre identité, mais dans une action. Et cette action, c'est simplement de faire en sorte que ma vie, ma manière de procéder, l'action que je mène, obéisse à des règles éthiques qui feront de moi un bon compétiteur dans cette espèce de compétition des différences. Et le verset se termine sur le propos suivant. Il Allah marji'ukum jami'an. Et sachez qu'à Dieu est votre retour, et lorsque vous retournerez à lui, il vous informera sur ce qui faisait votre différence. Deux choses sont importantes dans ce verset. Le premier verset, c'est de dire qu'ultimement, l'explication de la multiplicité de nos perspectives, la façon dont la vérité, dont une seule et même vérité se réfracte de manière différente, Dieu seul, au bout du compte, en possède la clé. La raison pour laquelle la seule manière pour nous d'entrer en compétition dans nos différences, c'était d'être en compétition dans les bonnes actions, c'est que nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas avoir l'explication ultime des différences qui sont les nôtres. Pourquoi est-ce que celui qui est en face de moi a la perspective qui est la sienne et qui est différente de la mienne? La réponse à cette question pourquoi
est une réponse qui est continuellement différée et elle n'appartient finalement au bout du compte qu'à Dieu. L'idée donc que nous ne sommes pas en mesure de décider quelle perspective est la bonne et quelles perspectives sont à exclure, c'est une bonne chose. Parce que si nous commencions à aller dans cette direction, si nous posions la question de savoir quelle perspective est la bonne, nous serions dans une sorte de guerre perpétuelle. Et le meilleur moyen de sauvegarder la paix et de ne pas être dans cette guerre perpétuelle, c'est de dire « attendez donc le moment où Dieu lui-même vous instruira sur les différences qui sont les vôtres. Vous indiquera pourquoi vous êtes tous les deux dans le vrai si vous êtes sunnite et chiite. Pourquoi vous êtes tous les deux dans le vrai si vous êtes musulman ou chrétien. Pourquoi vous êtes tous les deux dans le vrai si vous êtes musulman ou juif. » Et cela, c'est la signification profonde du pluralisme. Ça veut dire que le pluralisme n'est pas simplement de dire « bon, il y a des perspectives qui sont plurielles ». C'est de dire que dans chacune de ces perspectives, il y a une vérité et il faut que j'apprenne à la distinguer, cette vérité, à la connaître. Et ça veut dire également que la perspective de l'autre ne m'indiffère pas parce qu'elle m'apprend quelque chose de ma propre identité. Autrement dit, ce n'est pas cela me mène à la tolérance dont il était question tout à l'heure et dont notre modérateur a parlé avec beaucoup d'éloquence, mais une tolérance qui n'est pas simplement une condescendance. Parce qu'il y a une forme de tolérance qui consiste à dire « je sais que c'est moi qui ai raison, tu as absolument tort, mais j'accepte que tu vives à côté de moi avec ton tort. » À la rigueur, ça permet au moins de ne pas se battre. Mais ça n'est pas encore une compréhension pleine et entière de la tolérance parce que vous n'aurez pas encore compris le pluralisme. Comprendre que ta perspective comporte une vérité qui m'enseigne quelque chose sur la manière dont moi aussi je vise la vérité, ça, c'est autre chose. Ça veut dire que ce que tu crois m'importe, m'apprend quelque chose sur moi-même, sur ma propre perspective, et que peut-être bien que le plus court chemin de moi-même à moi-même passe par toi. Et ça, c'est une capacité à dialoguer. Parce que quand je dialogue avec quelqu'un selon la perspective que je viens de décrire, alors je suis véritablement attentif à ce que l'autre va me dire. Parce que je sais que ce que l'autre va me dire va comporter une vérité qui va m'enseigner quelque chose, non pas seulement sur la nature de son point de vue, mais également sur ma propre identité et ma propre relation à la vérité. Et c'est cette attention que cultive le soufisme, que cultive le tasawuf, à la vertu du pluralisme, qui explique pourquoi, selon le concept de cette rencontre qui a été imaginée par Seigneur Abdelaziz Mbake Majalis, c'est la raison pour laquelle, effectivement, cette posture qu'on identifie au soufisme, cette attention à la vérité dans ses manifestations multiples, est une chose importante. C'est la raison pour laquelle on trouve cela dans la poésie du tasawuf en général, dans la poésie soufie et l'insistance soufie sur le pluralisme et l'inclusion. Vous la trouvez dans les vers bien connus de la poésie du Cheikh Al-Akbar, Muhyiddin ibn Arabi, lorsque, par exemple, il dit « Mon cœur a commencé à accepter toutes les formes, il est pâturage pour la gazelle, il est monastère pour le moine, c'est une maison pour les idoles et c'est une Kaaba pour le pèlerin qui tourne autour. » Et il continue en disant que c'est aussi les tablettes de la Torah et c'est aussi le texte du Coran. Et il conclut ses vers en disant que l'amour est ma religion et ma foi. Par exemple, dans ce que je viens de citer, ce poème que je viens de citer, on peut trouver l'équivalent chez Jalaluddin Rumi, on peut trouver l'équivalent chez beaucoup de maîtres de la voix, des différentes voix du tasawuf, du soufisme. Eh bien, on pourrait être surpris, par exemple, qu'ils disent que son cœur est aussi bien la maison des idoles que la Kaaba pour le pèlerin. Mais parce que une explication serait qu'au fond, il s'agit d'être attentif à celui qui se tient, celui qui invisible se tient derrière l'idole, de la même manière que lorsque le pèlerin tourne, fait sa circambulation autour de la Kaaba, il est en train de rendre grâce
et de prier le maître de la Kaaba et pas la Kaaba lui-même, elle-même. Parce qu'on peut avoir une attitude idolâtre vis-à-vis de la Kaaba si on considère qu'effectivement, ce autour de quoi on tourne, c'est la Kaaba elle-même. De la raison pour laquelle, d'ailleurs, les musulmans disent que quand ils font la circumambulation autour de la Kaaba, ils sont en train de reproduire sur terre le même mouvement de circumambulation des anges autour du trône de Dieu. Et que s'ils avaient le cœur pour voir les choses, lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba, s'ils levaient les yeux au ciel, probablement, peut-être, qu'ils verraient les anges en train de tourner autour du trône du Seigneur. Et c'est cette attitude-là, pour revenir au cher Seigne Touba, Seigne Ahmadou Bamba. C'est précisément cette attitude-là qui a fait de lui celui qu'il est, celui qu'il représente aujourd'hui pour nous. Celui qui a compris les vertus de cette tolérance-là et qui a compris en quoi il fallait mettre la paix au-dessus de tout. Celui qui n'a pas pensé qu'il y avait une incompatibilité radicale entre la civilisation française qui était venue chez nous dans les bagages de la colonisation et le fait d'être musulman. Il y a eu, en Afrique de l'Ouest, des attitudes qui ont consisté à se séparer et à partir en estimant qu'on ne pouvait pas être présent sur un territoire alors que ce territoire n'était pas dirigé par des musulmans. Il y a eu, chez certains guides spirituels, la décision de rompre et de partir vers le Soudan, de partir vers l'Arabie Saoudite, alors qu'en fait, le colonialisme avait fait le tour de la terre, donc ce n'était pas la peine non plus de s'en aller, mais enfin, c'est une attitude qui peut se comprendre de ce point de vue-là. Et l'idée donc que la relation, la seule relation possible entre des civilisations différentes est une relation d'incompatibilité, c'est cela qui est en fait l'erreur, la faute lorsqu'il s'agit d'être incapable, lorsqu'on est incapable de penser le pluralisme. Et cette question de l'incompatibilité, on la voit encore aujourd'hui. On vous demande si par exemple l'islam est compatible avec la démocratie. On vous demande si l'islam est compatible avec la civilisation moderne. Ce qui est absurde. Aucune religion à ce moment-là n'est compatible avec la civilisation moderne de toute façon. Ou alors elles le sont toutes. Parce que simplement elles ne sont pas sur le même plan. Lorsque vous parlez de religion et lorsque vous parlez de civilisation, vous êtes en train de parler de deux réalités absolument différentes. L'idée que la religion est elle-même une réalité vivante, qu'elle accompagne l'humain et qu'elle répond à l'humain dans les questions que cet humain se pose dans les circonstances où il se trouve, voilà qui fait la signification de la religion. Voilà une des formes du pluralisme, non plus pluralisme dans le temps, mais un pluralisme non plus pluralisme dans l'espace, mais un pluralisme dans le temps. La capacité qu'a la parole, qu'a une parole religieuse d'être vivante, c'est-à-dire de répondre toujours au présent, dans le temps présent où vivent les fidèles qui croient en cette parole. Quand on nous dit dans l'islam qu'il faut lire le Coran comme s'il nous était révélé au moment où nous le lisons, nous disant ainsi que nous ne pourrons jamais lire le Coran comme un Irakien du 8e siècle, c'est d'abord impossible et ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que l'on chercherait à le faire? En revanche, avoir l'impression que lorsque nous le lisons, il nous parle au présent et dans le temps où nous sommes. Voilà une autre manière de comprendre le pluralisme, une parole qui est à la fois plurielle dans ses différentes manières de se décliner et qui est pourtant toujours la même et seule vérité identique. Lorsque nous avons compris cela, lorsque nous avons compris le pluralisme, lorsque nous avons compris comment ce pluralisme-là donne fondement à la notion de tolérance, nous comprenons, nous avons la capacité de dialoguer et de dialoguer avec toutes les civilisations. Et c'est ce que les musulmans font aujourd'hui. L'épreuve de la différence qui leur est présentée, et j'ai eu la chance d'avoir une discussion même rapide avec le président Keptan sur ce point-là, c'est l'épreuve qu'ils font de confronter leur propre identité et la parole vivante qui est la leur avec une société à laquelle ils n'étaient peut-être pas préparés pour vivre. Mais approfondir leur religion, c'est comprendre précisément qu'ils sont en dialogue toujours, qu'ils sont en dialogue permanent avec la civilisation qui est la même et seule civilisation pour nous tous aujourd'hui.
Nous sommes tous en train de négocier avec le monde dans lequel nous vivons et nous devons comprendre notre religion de cette manière profonde que le soufisme nous donne parce que c'est la manière dont nous pourrons comprendre que nous avons absolument entre les mains tous les atouts pour pouvoir vivre notre temps pleinement et continuer d'être ce que le Coran nous dit que nous sommes, la meilleure des communautés, tant que nous ordonnons le bien et nous interdisons ce qui est blâmable. Et à la suite du verset qui dit cela, que la raison pour laquelle les musulmans sont la meilleure des communautés parce qu'ils interdisent le mal et qu'ils ordonnent le bien, deux autres versets viennent, 113 et 114, pour dire que parmi les gens du livre, il y en a qui interdisent le mal et qui ordonnent le bien. C'est-à-dire que le même critère qui était utilisé pour dire aux musulmans « vous êtes la meilleure des communautés » est utilisé pour dire que les gens du livre aussi peuvent entrer dans cette seule et même communauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la communauté de ceux qui interdisent le bien, le mal et qui ordonnent le bien est une communauté ouverte. Ce n'est pas une communauté qui sépare et qui établit des différences, c'est une communauté qui est ouverte et au-delà de nos appartenances. Quand nous aurons compris cela, je crois que nous aurons compris la capacité au dialogue. C'est ce que je voulais partager avec vous pour la discussion qui va suivre. Merci infiniment. Merci, professeur. Je ne peux pas m'épargner le plaisir de partager une confession. Je peux vous écouter pendant des heures et je pense que je ne suis pas le seul dans cet état. Je l'ai fait dans mon jeune âge, pendant un assez long moment. Je vous ai écouté, j'ai écouté vos enregistrements, j'ai écouté vos vidéos. Et je m'étais dit, en tant que jeune, puisque j'ai entamé assez tôt les études juridiques, mais parallèlement aux études juridiques, je m'intéressais à la philosophie, je m'intéresse depuis mon tendre enfance à la religion. Et je me suis toujours dit qu'il y a deux personnes que je n'ai jamais rencontrées, deux professeurs, qui ont inspiré toute ma vie, qui ont inspiré ma jeunesse. Le premier, c'est vous, un professeur qui s'exprime en langue française. Le deuxième, c'est Serigne Bassirou Mbake Khelkom, que vous connaissez, bien évidemment. Et c'est deux personnes qui m'ont inspiré, qui ont bercé toute mon enfance et qui, à l'heure actuelle, continuent quand même à susciter beaucoup je ne sais pas comment l'exprimer, mais beaucoup de... qui me servent de référence, en tout cas. Très bien. Je ne me tenterai pas à résumer ce que vous aviez dit, au risque de le pervertir. Je ne suis pas en mesure de le faire. C'est d'une clarté parfaite. Pour juste relever les grandes lignes, donc vous avez posé les conditions du dialogue, surmonté l'épreuve de la différence, et la condition fondamentale pour parvenir au dialogue, mettre à l'épreuve sa propre identité, en deuxième point, force, qui m'a particulièrement marqué dans ce discours, être attentif également à la vérité que porte l'autre. Ce que nous enseigne le soufisme, ce sont ces points essentiels, et donc le soufisme nous propose de... nous inculque cette capacité de déconnexion, cette capacité de décentrement, pour reprendre votre mot. Donc, être attentif au pluralisme revient, dans une certaine mesure, à intégrer l'ensemble de ces points et comprendre également que ce pluralisme est de source coranique. Le Coran est militant du pluralisme, le Coran impose le pluralisme dans une certaine mesure. Ce pluralisme est de source divine, c'est Dieu qui a eu cette conception plurielle du monde. Pourquoi? Afin de nous éprouver. Une perspective du pluralisme qui consiste également à nous mettre en compétition vers l'accomplissement des bonnes actions, vers les bonnes choses. Dans chaque perspective,
comprendre qu'il y a une vérité, cachée ou apparente, d'apprendre à les distinguer. Et pour finir, en pluralisme que je pourrais qualifier de statique, que vous qualifiez en pluralisme à l'instant, comprendre le pluralisme actuel, mais également en pluralisme dynamique dans le temps, comme vous avez pu le présenter. Et c'est sur ces mots que vous avez conclu. C'est un risque que j'ai pris, un risque immense, à essayer de vous résumer ce que vous avez dit. Je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable de le faire. La raison pour laquelle je vais immédiatement passer à l'intervention suivante. Serigne Abdelaziz, vous devez intervenir à présent sur le thème des fondements doctrinaux de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est avec un immense plaisir que nous vous écouterons.